Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question du lundi. Pierre de lune, noir, m'accompagne, symbole de féminité. Allez, on secoue la boîte et on va tirer une question au hasard. Hop là, il y en a une qui est tombée, mais non, ça sera pas toi. C'est celle que je viens de tirer. Tarot et don, qu'en penses-tu? Excellente question. Alors, je pense que le tarot n'est pas un don. Je m'explique. On est tous capables de tirer les cartes en apprenant la signification des lames. Donc, que ce soit le tarot de Marseille, le Rider, le Virs, le Thoth. Voilà, bon. Maintenant, il y a des gens plus ou moins connectés, plus ou moins intuitifs, pardon. Il va y avoir des gens qui ont donc une médiumnité assez poussée ou une intuition assez poussée, qui reçoivent des messages, voilà, bon. Donc, ce sont deux choses différentes, c'est-à-dire, on peut très bien être tarologue, et n'interpréter que ce que l'on voit au niveau des cartes, si on n'a pas une intuition développée, en principe ça va avec hein, quand même. Mais enfin, soit, imaginons que la personne ait travaillé son tarot, vraiment elle connaît chaque lame par cœur, elle connaît chaque spécificité de cette lame, elle connaît tous les symboles associés, les couleurs, qu'est-ce qu'elle signifie, etc. Bon, une personne qui a vraiment des connaissances poussées dans le tarot, quel qu'il soit, quel que soit le système que cette personne aura choisi, elle va pouvoir faire un tirage et, en voyant les significations des cartes, interpréter ce tirage. Ça, c'est une chose. Ensuite, donc quelqu'un qui a des connaissances, mais moins importantes, c'est mon cas, qui a de l'intuition ou qui est médium, donc par exemple, va pouvoir tout aussi bien interpréter un tirage. Mais ce n'est pas donc une nécessité d'avoir cette intuition affûtée et aiguisée pour pouvoir tirer les cartes. Donc, je ne vois pas les choses comme un don proprement dit. Je pense que tout le monde est capable de le faire. C'est vrai que souvent, les gens disent c'est un don, les voyants ont un don, etc. Moi, je ne le vois pas tout à fait comme ça. Je pense qu'ils ont une perception un peu plus aiguë que quelqu'un d'autre et qu'ils l'ont travaillé, cette perception des choses, et que c'est pour ça donc qu'ils arrivent à un certain résultat. Après, donc, pour moi, il ne faut pas vraiment un don pour faire les tarots, donc, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, c'est plutôt, ça marche soit avec des connaissances et l'intuition, le ressenti, etc. Soit on a scolairement appris le tarot et vraiment tout ce qui l'entoure et on arrive très bien aussi à faire un tirage. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été très claire dans mes explications, mais moi c'est comme ça que je vois les choses en fait. Voilà, donc pas besoin d'un... ce qu'on dit, pas besoin d'un don pour pouvoir faire les tarots. Pour moi, je vois les choses de cette façon, voilà. Donc, j'ai répondu. J'espère que cette question du lundi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que les gens qui font les cartes ont un don ou pas? Et comment vous fonctionnez à l'intuition, pas à l'intuition, juste en ayant appris les significations des cartes, voilà. N'hésitez pas à partager. Je vous fais de gros gros bisous et puis je vous retrouve lundi pour une nouvelle question du lundi. Portez-vous bien, belle semaine, bye bye.